Tov, shalom. Donc on continue au Rota Torah, chapitre 1, paragraphe 2. Torah Shebeal Pe, Munahat Be'etzem Ofia Shelaouma, Shematza et Birkata, Alede Agilou Yashemi Shel Torah Shebirtav. Bidgaluta Nemucha y Torah Shebeal Pe, mi Torah Shebirtav. Kare הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא התורה שבכתב. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח והעוד שבעולמים ומלמעלה של כל כללותם. אבל בצורה הפנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו, להופעת תורה מן השמיים עליהם, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה, משורש תורה שבכתב. חביבים דברי סופרים, יותר מדברי תורה. Alors, qu'est-ce que vous en dites? À vrai dire, l'aspect, il va l'expliquer dans la Piska Gimel. Quand Paul explique, là, il explique la cause. Après, il expliquera en quoi ça s'exprime. C'est-à-dire, on reprend. Donc, Torah Shebealpé, la Torah qu'on appelle orale, se trouve être dans la nature même de la nation. Ça veut dire qu'il y a une adéquation totale entre la nature de la nation, qu'on appelle l'âme d'Israël, Knesset Israël, Nishmat Israël, et la Torah Shebealpé. שמצא את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. מה זאת אומרת מצא את ברכתה? אלא תחוריס הבנדיקציון. זאת אומרת, כלוס כל התורה שבכתב הפנטחי לפופל ישראל, סוסי הפורטין בנדיקציון דור למונד. סוקי נפה לוקה נטול איזו תורה פופל. ידו תורה פופל כאילו קונטחי לתורה שבכתב, סוסי נפה פדו דזנג' מאוקונטחי דמונס דקרבוין. Au nom de la Torah Shebirtav. Et nous, comme si c'était par hasard, cette même Torah, lorsqu'elle s'accouple en nous, elle fait apparaître une dimension de noblesse, de grandeur d'âme, de générosité, etc. dans ce peuple. Ce qui prouve bien qu'il y a une atama, adéquation entre les deux. C'est ça ce qui veut dire Munachat be'etzem ofia shalahouma. C'est-à-dire avant même d'apparaître, elle se trouve d'abord dans la nature même de la nation. Et il est vrai qu'elle a été, on veut dire, si on veut parler de manière crue, la nation a été fécondée par Torah Shebichtav, Vayamizer Ibour, comme Erayon, je peux le dire Erayon en français, une grossesse, qui a fait naître la Torah Shebealpé. C'est clair? Maintenant, Beit Galuta, c'est-à-dire au niveau du concret, au niveau de ce qui apparaît, Nemucha et Torah Shebaal Pe et Torah Shebirtav. A priori, la Torah Shebaal Pe est plus basse que la Torah Shebirtav. Il est qui aurait à Gorem Arashi, Limsot Netivata, et à Torah Shebirtav, ne serait-ce que du point de vue chronologique. La Torah Shebirtav a précédé et a entraîné même l'existence de la Torah Shebaal Pe. Ça veut dire que la Torah Shebirtav et les Chachamim, après on leur a posé des questions, et à la lumière de Torah Shebirtav, ils ont donné leur réponse, ça veut dire de manière circonstancielle, la Torah Shebeal Peh est née. Dans la Biska, c'est quoi le référentiel? Circonstanciel ou référentiel? Non, le référentiel, ça veut dire, comme il a dit Eliyahu, Torah Shebeal Peh, c'est le dévoilement de la Torah Shebirtav d'une certaine manière. Sauf que moi, en tant qu'humain, je vois plus de dévoilement divin dans la Torah Shebeal Peh que dans la Torah Shebirtav. Là-bas. Parce que j'ai eu besoin de l'intervention des Chachamim pour m'expliquer. Ça veut dire que je voyais pas comme il se devait le dévoilement divin dans la Torah Shebirtav.
J'ai besoin de l'intervention des Chachamim et de Torah Shebe'al Peh pour rencontrer l'homme. Pour me le traduire et la baisser à mon niveau. À le rendre accessible. À la rendre accessible. Donc c'est ça ce que tu appelles Guilouille. Exactement. J'ai compris. Donc tu appelles Guilouille par. Monsieur, la rencontre, elle est plus grande en Torah Shebe'al Peh. J'ai compris. En ce sens, il peut être plus grand, c'est plus perceptible, c'est plus accessible. Mais c'est pas les gens, c'est pas toujours les gens les plus accessibles qui sont les plus grands dans ce monde. Tu comprends? En tout cas, dans le référentiel de l'homme, Torah Shebe'al Peh. Ça veut dire le petit enseignant de maths du coin, hein, il est plus accessible qu'Einstein. C'est pas pour autant qu'il est plus grand qu'Einstein. C'est vrai qu'il m'aide plus à moi qu'Einstein, peut-être. Mais si tu veux donner un ordre de grandeur, évidemment qu'Einstein est plus grand qu'un petit instituteur de calcul. Donc, a priori, et maintenant on va retourner à ce que tu dis, Rakhinia. A priori, c'est-à-dire la Torah Shebe'al Peh, qui est bien plus haute, comme il a expliqué dans le premier paragraphe, et qui est plus attrait à l'éternité, est plus grande que la Torah Shebe'al Peh, d'autant plus qu'elle a précédé chronologiquement parlant, et que plus encore, elle en est sa cause. En quelque sorte, la Torah Shebe'al Peh n'est qu'une explication pour rendre accessible à nous, les petites gens, la Torah Shebirtav. Donc sans aucun doute, a priori, la Torah Shebirtav est bien plus grande, et la Torah Shebe'al Peh n'est qu'un rabaissement de cette Torah à notre hauteur. Hein? Elle traite de sujets bien plus larges. Nachon. Nachon. Ou bien avec Moshe Rabbeinu, les prophètes. Nachon. Donc cet aspect, il est évident. Ça c'est pas un ridouche. Ça, c'est ce qu'il y a de plus évident de dire que la Torah Shebirtav est bien plus haute que la Torah Shebe'al Peh. Donc c'est ce qu'il dit. Beit Galuta. C'est-à-dire, dans son apparence, Nemucha et Torah Shebe'al Peh, Torah Shebirtav. La Torah orale est plus basse que la Torah écrite. Kare Agore Marashi, l'imsodativata. C'est-à-dire, le facteur essentiel qui a entraîné son existence, qui a frayé son chemin dans ce monde, il y a Torah Shebirtav. Qui est la Torah Shebirtav? C'est quoi la Torah Shebirtav? Là, il définit. A Yachas Aelion, Shelauma, Imeelut, Eliona. C'est-à-dire, le contact le plus suprême de la nation avec la divinité la plus haute, c'est-à-dire pas dans les dévoilements les plus bas de la divinité, mais dans les dévoilements les plus hauts. Ima megama shel megamot. La Torah Shebe'al Peh, elle parle de l'objectif de tous les objectifs. Ima netzar va'ot shivolamim. L'éternité et la splendeur de tous les mondes, pas seulement de ce monde-ci. Elle ne traite pas seulement que de la gérance du peuple d'Israël sur sa terre, c'est pas la constitution de la nation d'Israël, la Torah. C'est clair. C'est l'ordre divin de l'existence entière. Donc ça, c'est ce qui est évident. Dans le Chidouche, Aval Betsura Plimit, dans l'intériorité de l'existence. Alo Torah Nitna l'Israël, Bishvil Zgulatam Plimit l'Aïlona. La Torah a été donnée spécifiquement au peuple d'Israël grâce à la nature d'Israël. Sans la nature d'Israël, la Torah n'aurait pas pu être donnée dans ce monde. La Torah Shebirtav n'aurait pas pu apparaît dans ce monde sans qu'il y ait ce réceptacle qui s'appelle le peuple d'Israël. Donc, de ce point de vue, la cause de l'apparition de la Torah dans ce monde, c'est le peuple d'Israël. Ça, c'est le Kuzari qui le dit de manière la plus claire dans Bet Nunvav. Loulé Israël, loïta Torah Barlam. Gam Avra Chaim, on va se biroter. Et c'est ce que veut dire le Midrash si connu, que la Torah, Akadosh Baruch Hu proposait la Torah à tous les peuples, à chaque fois, il y avait une faille, etc. Il explique que Mara, c'est pas qu'il y avait une avamina, c'est-à-dire une pensée quelconque que la Torah puisse être donnée à notre peuple, mais exactement le contraire, ou bien notre évidence que la Torah n'est adéquate qu'au peuple d'Israël. Donc la cause de l'apparition de la Torah dans ce monde, c'est le peuple d'Israël. Et toujours la cause est plus haute que les faits. Donc il s'avère, dans l'intériorité de l'existence, que le peuple d'Israël est plus haut que la Torah. Le Nishmat Israël, quand on parle du peuple d'Israël, ce n'est pas les juifs qu'on rencontre là en chair et en os, on parle de l'idée du peuple d'Israël, la Neshama du peuple d'Israël. Nishmat Israël, c'est Torah Shebe'al Peh. Parle plus fort pour qu'on t'entende.
Sinon, on va comprendre que je réponds. Donc, la Torah vient dévoiler la nature du produit. La nature, la vocation, l'idéal, etc. Donc, la Torah est une et pas seulement du peuple d'Israël, mais de l'existence entière. De l'existence entière. Color la mime. Mais là où je veux dire, parce que là, selon cette piscala, il en ressort quoi? Que non. Oui, dans son dévoilement, la Torah Shibata, elle est plus grande que la Torah Shibata, mais en réalité, est plus grande parce qu'elle est en fait la nature, la cause de la Torah. La cause de la Torah Shiverta, mais elle est en fait la nature de Nishma d'Israël, qui est une Torah Shibalpé. Nishma d'Israël, c'est quoi? Donc c'est quoi notre nature? C'est la Torah Shibalpé ou la Torah Shiverta? Alpi advarim haele, Torah Shibalpé. Karati brit im Israël. Torah Shibalpé. Notre nature, c'est la Torah Shibalpé. Notre nature, c'est Nishma d'Israël. Alachal le Moshe le Sinaï, c'est quand ta neshama parle de manière totalement libre. C'est toi, Shibalbé. Quand il arrive, il explique dans Rota Kodesh, quelqu'un qui ne subirait aucune influence environnante. Il n'a aucune influence d'aucune civilisation. Il est totalement, il baigne totalement dans l'authenticité d'Israël. Par la Torah, évidemment. Alors, tout ce qu'il dit, c'est toi, Shibalbé. Il est terminé. Il est plimi ou tato. Mais comme le maral. Zeh Torah Shebalpe, mais Zeh Torah Tapnim. Ça veut dire, Torah Shebalpe, c'est lorsque l'âme commence à parler. Maintenant, qu'est-ce qui la suscite à parler? C'est sa rencontre avec la Torah Shebirtav. C'est pour ça qu'on a donné l'exemple la fois précédente. Zachar Benekeva. Zachar Benekeva. Lorsque l'être d'Israël est fécondé par la Torah Shebirtav, il met au monde la Torah Shebalpe. נכון? ומי יותר עליון? אז אתה טועה. בגלל זה אתה מסתבך עם אשתך. לא, לא נכון. לא, לא, אמר הרב מסביר הפוך. אומר, האישה חומר והאיש צורה לה. לא תראו, האישה היא סתם חומרית. זה כמו שכלי חרדים אקספיק. זה כמו שכלי חרדים אקספיק. האישה רק חומרית. זה קונספט פילוסופי. חומר וצורה. C'est la matière et l'essence. Mais la matière n'a pas d'existence, l'essence n'a pas d'existence sans matière. Kemo, Israël Chomer ve Moshe Tzura Lahem. C'est-à-dire, Moshe est la mise à l'œuvre de l'entité d'Israël. C'est-à-dire, il n'a pas une importance en tant que tel, Moshe Rabbeinu. La raison pour laquelle on vénère Moshe Rabbeinu, parce que c'est un individu qui a réussi à mettre à l'œuvre l'entité d'Israël par sa personnalité. Donc, toute sa force, il appuie de Klal Israël. Mais à Chomer, car Chomer Amaral, Israël Chomer, et Moshe Tzura Lahem. Chav, il y a trois temps dans cette histoire. Yesh Tzura Betoch Chomer, Yesh Tzura Yotzet Mer Chomer. Comme, tu as la combustibilité qui se trouve dans le pétrole, après tu mets l'allumette, et voilà que la flamme apparaît. La flamme n'est que la mise en évidence de ce qui était déjà dans le Chomer. Mais où se trouve réellement là, cette flamme? Dans le Chomer. Vezaïkar. La matière, c'est... Je ne sais pas si on doit traduire pour le mot matière. Il y en a qui ont dit que c'est la forme et le fond. Je ne sais pas le dire en français. Cherchez ça dans le lexicon philosophique. Chomer Vetsura. C'est-à-dire, canal. Ishtechai Chomer Vetsura. Et Tafkitra. L'otzi la poil et ishtecha. Avalata otza la poil shel ishtecha. Comment t'as ta bête? A ta bête. Al tarchosh ta alef. Remets-toi en place. Il n'y a pas de femme, vous avez de la chance aujourd'hui. Je vais envoyer ça à vos femmes. Je vais vous envoyer. A ta sahakol otza la poil shel ishtecha. Acharka, rakshinya. Achresh itzlachta la tzet la poil. A ta ozer la tzet la poil. Avalakonim saba. Kemoshe moshe rabbeinu. Après d'énormément d'efforts, il n'est pas né comme ça, Moshe Rabbeinu. Il a bavé pour devenir Moshe Rabbeinu. Il a réussi à être Moshe Rabbeinu. Et à Shuva Alechem. Na Shuva Alechem. Pour amener tout le peuple d'Israël
au niveau auquel ils arrivaient, mais en fait qui est le potentiel d'Israël. Chomer Vetzoura. C'est-à-dire, canal pour Chomer Vetzoura. A Chomer Zeklal Israël. A Chomer Zeklal Israël. C'est Nishmat Israël. Va Torah Motsia la poil, ma chez Ganouz, ben Nishmat Israël. A Torah chez Birtav. Va Zotse Torah chez Baalpé, c'est l'optimum. Ben sans ovule, tu n'auras pas de sans ovule, tu n'auras pas de bébé non plus. Hein. Oui, mais dans le processus, il y a un donneur et un receveur, et c'est l'homme donneur, c'est la femme la receveur. C'est un mafil. Et celui qui donne, il est censé. Anim a dit que c'est un mafil. Le loin noten. Un mafil est un mangalon. Mais la graine contient déjà tout, et la femme la développe. Oh, chacun, c'est l'eau. Mi a marché de cacha biologique. A te dache de l'orachon. Gametzla. Gametzla. שניהם שותפים. אתה תלמד קצת גנטיקה, זה לא מדויק מה שאתה אומר. ה-DNA הוא לא רק שלך. וברור, הקיום דן פליס. טוב, בסדר, לא נעשה פה תחרות. סעודי רון. Prinatma, à Tchouva Shalamaral Tamidi, Tagir, Mitsadma, d'un certain aspect. D'un certain aspect qui est où Mitsadma file, c'est lui qui met en évidence. Et comme dans ce monde, à Drisha Meitanu, Zaotsa la poil, comme tu dis, Mioter Elion, Malach ou Adam? Adam. Malach qui serait 100 millions de kilomètres plus haut que toi. Qu'elle a à Megama Shalamazé, Zaotsa la poil. Donc Mitsadze, un Mioter Elionim. As mitzadze, l'homme est plus haut que la femme. Qui est où? Ben, on l'a maman avak. Et la femme, alors que la femme, il kirtsono. De l'homme avakim. Veyoter il en a ma gever. Befoal. Alvak qui arrive au pied de ta femme. Pridantaché, cette chose-là. Après 10 ans d'études. Aval, elle a kol kach ma'amat, si l'autre kaze. I malachit. Kachav kouk masbir, shahasani kirtsono. Elle est plus ressemblante à la volonté de Dieu. Sans trop d'efforts. Donc, de fait, elle est plus haute que l'homme. Mais du point de vue de ce qu'on attend de l'être humain dans ce monde, qui est l'effort, Adam l'arma l'youlad, l'homme est plus important. Chresh ou motzi et tatsmo la poil bema avak rav, ou ozer l'otzi igam et tishto, et ma potentiel arbre et ergadol mimeno. C'est m'soubach. C'est un d'ashlama. C'est m'soubach. C'est m'soubach. On retourne à notre histoire. C'est avec Machal, au pied de la lettre. C'est jamais Echad el Echad le Machal. On continue. Aval Betsura Penimit, dans l'île 23. Alo Torah nitna l'Israël, bifiliskulatam apenimit eliona. La Torah n'a été donnée au Israël que grâce à son caractère suprême. Donc il en sort de cela. Regarmas, gula Eloïd gnuzazu, l'ofat Torah, mais la chamaï malon. Donc c'était ce caractère spécifique du peuple d'Israël qui a entraîné l'apparition de la Torah du ciel dans ce monde. Donc Nimset Eliona Torah Shebealpe Beshorcha Beshorishmashbirta. Qu'il en résulte de cela que la Torah Shebealpe est plus haute que la Torah Shebirtav au niveau de l'intériorité de la racine. Et sur ce, le Rav explique ce que dit Chazal: Chavivim divrei sofrim yoter mi divrei Torah. Très souvent, on est yoter machmir. Comme par exemple, Tkiat Shofar. Je me dis, Shema Yavor, les Eissour, je l'arba à mode, je veux. Mevatlim. Pour Rabbi Tarfon, chez Siken et Chayav, Keda et Alachou Vatsmecha. Qui ou l'o Shema, les Acha, chez le Betilel. Chez Kolecha de Kori Katarko. Non, il était les crocs, et Siken. Ken. Kébet Shamaï, il dit, Kedaï est à la choube à Tzmecha. Sachako, il n'a pas fait grand chose de mal. Avar à la C, maximum. Non, va falloir avoir à l'achra chez le Chachamin. C'est Sougam à l'inette d'abord à Zé. Parce que Sachako, Bet Shamaï, Bet Hillel ou l'Omer, Chassour l'Ikro, Kriat Shema Beshriva. D'accord? Omer, Kolachat Kedarko. Donc, le bitaphone est derrière Fenval. Le fait qu'il soit allongé sur le bord de la route
pour dire Kriyat Yema, il n'est pas allé à l'encontre de Da'at Beit Hillel. Il a fait un excès de zèle de prendre aussi en considération Beit Shammai. Et sur cela, lui disent Chachamim, tu aurais mérité de mourir. Qui a été à Machloket Gdoula Meod, entre ces deux courants. Ah, j'ai sauf, on a réussi à trancher Kemo Beit Hillel, tu remets en question la psyka. Azatam et Arir ta samprout, et ta psyka avec l'israélite. Alzer, alzer, kedaïl khalamout. D'accord. D'accord. Aval pour ça est achah avec l'Israël. D'accord. On continue. Maintenant, ça va expliquer davantage ce qu'on vient de voir. Regardez. Gnikat Torah shebe'al peh, ibegnizu min ha-shamayim, ubegilui min ha-aretz. Vetzicha eretz Yisrael yod benuya v'chol Yisrael yoshvim aleha mesudarim v'chol sidrehem, migdash, malchut, keuna u'nevua. Shoftim veshotrim vechol tachsisehem, az chayayi Torah shebealpe vechol ziv tifarta, porachat u'ma'ala nitsa, u'mitchaberet letorah shebichta vechol shi'uk komata. Bagalut, nifredu ateomim. Ni ta'alta Torah shebichta limrome kdushata, kocha, je crois dans le sens, veyarda Torah shebealpe beomek tartit. U'mikol makom, היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב מספיח יעבר, המספיק לעמידה בחיים מצומצמים. היא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו וישגשג בכל הדר סדריו, אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים. והדודים יתאחדו בנביאי הפריונם, ואור נשמת אל חי העולמים, עם יתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים של אור החמה ואור הלבנה גם יחד. והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים. והיה אור לבנה כאור החמה, ואור החמה היא שבעתיים כאור שבעת הימים. ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. De quoi s'agit-il? Je suis? Pas trop? טוב, הרדמתם. On reprend. יניקת תורה שבעל פה. יניקה זה תתה. Comment tu dis? Ken, comment on dit le verbe, on dit le verbe. Tété. On dit tété, c'est le verbe normal ou c'est non, non, on tire. Un enfant lyonnais qui est pas. Ken, c'est comme ça qu'on dit. La mère elle allait. Mais l'enfant qu'est-ce qu'il a rentré? Et comment tu dis le têtement? On est tous nuls en français. Ça mère elle a comment on se reconnaît? Là c'est une rallye mozart. C'est ben sans petite normalité ou crabe slang. On verra. Donc on va dire le têtement, si ça existe. La succion, voilà. L'alimentation, on va dire comme ça. L'alimentation de la Torah orale provient du ciel, de manière cachée. Mais de manière dévoilée, de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? De manière dévoilée, d'où provient la Torah orale? Eh bien, des rabbins. Les rabbins sont des hommes, en chair et en os. Et qu'est-ce qui les a amenés à dire de telles choses? Eh bien, il y a un juif, je ne sais pas, sa fourchette, Bassari, elle est tombée dans la casserole d'un litre de lait, il ne savait pas trop quoi faire, il a téléphoné au rabbin, il lui a donné une réponse. Donc, le facteur qui a fait apparaître cette Torah, ce sont des circonstances de ce monde. Donc, de manière apparente, la Torah chez Béal Pé est une création terrestre. Alors qu'à vrai dire, elle provient du ciel. Hein? Évidemment, évidemment. Mais non, pour qu'elle soit parfaitement du ciel, pour qu'elle soit dans toute sa gloire, toute sa grandeur, la Torah chez Béal Pé, eh bien, il faut des circonstances adéquates. Regardez.
Tzricha Eretz Israël yot binouya, il faut qu'Eretz Israël soit construite. Vechol Israël le Juim, Aléa, et que tout le peuple d'Israël y soit installé. Mesoudarim Bechol Sidrem, selon leur ordre normal, ce qui veut dire Betamigdash, notre souveraineté, Malchut, Keuna. Keuna, c'est pas seulement le faire monter la Torah, c'est-à-dire toute une tribu qui s'adonne nuit et jour à l'étude de la Torah et l'enseignement de la Torah dans le peuple d'Israël. C'est ça leur rôle, c'est une tribu d'élite spirituelle. Oh, ça, c'est très partiel. C'était en Milouim. Okay, c'est Milouim. C'était une fois par an, une semaine, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient tout le temps, les rabbins, les Kohanim? Yoru, Mishpater, Aliakov, Tratra d'Israël. Ils étudiaient la Torah, ils enseignaient la Torah pour maintenir la moyenne d'Israël à un niveau spirituel assez élevé. Sans quoi, en faisant de l'agriculture, leur tête se transforme en patate. Donc, Migdash ou Malchut, Keuna Venevoa, et la prophétie. La prophétie aussi est un des éléments essentiels, une des composantes de, on va dire, de la forme normale de la nation. Shoftim et Shotrim, des juges et des policiers. C'est des juges sans policiers, ça ne sert pas à grand-chose. Et Chol Tarsissem, c'est-à-dire tous les l'organe normal d'une nation, et spécifiquement de la nation d'Israël. Az, alors ce n'est qu'alors, chez Chaya et Torah chez Baalpe, Bechol Ziv Tifarta, que la Torah orale vit dans toute sa splendeur. Porachat, elle fleurit, Maalat Nitsa, elle fait apparaître toutes ses belles branches. O Mitra Beret la Torah chez Birtav, et alors elle s'unit totalement avec la Torah écrite. Bechol shiur komata, dans toute la grandeur de ta stature. Maintenant, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Regardez. Bagalut nifredu ateumim. Pendant l'exil, ces deux jumeaux se sont séparés. La Torah shebirtav, la Torah shebalpe. En quoi? Nitalta Torah shebirtav limrome kotcha. C'est une erreur, c'est pas kedusha, c'est kotcha. La Torah écrite s'est élevée dans les cieux les plus saints. Par contre, Yarda Torah Shebalpe et Bon Mektaktit. La Torah orale a dégringolé au plus profond de l'abîme. Pendant l'exil. Ça veut dire, si on compare de quels étaient les sujets traités dans la Torah Shebirtav, ben, c'est la rédemption de l'humanité, des grands idéaux extraordinaires. Et encore la Mishnah, il y a encore un certain rapport avec Torah Shebirtav, le Talmud un peu moins, les Rishonim un peu moins, l'Achronim un peu moins, Achroné, Achronim, tu vois plus déjà le rapport. C'est-à-dire que tu écoutes un discours de Moshe Rabbeinu, et discours, si tu écoutes le discours du rabbin du coin qui te fait maintenant tout un développement ilchatique, est-ce qu'on doit mettre le sachet de thé dans le Kosheni ou Koshlishi? Est-ce qu'il y a Bichoul, Bekalé, Bichoul ou pas? Il me dit, mais quel rapport avec la Torah de Moshe Rabbeinu? Et ça va encore. Quand toute sa tête est de savoir si on peut cachériser le couteau avec une manche en bois, avec trois clous, remplis de rouille ou pas, il me dit, mais quel rapport avec les grands idéaux qui sont traités par Ishaïa, ou par Yirmiya, ou par Yechezkel, etc. Je vois plus tellement de rapport. Je suis tellement dans les ténèbres. C'est-à-dire une déconnexion totale. La Torah Shebirtav s'est élevée dans les cieux. C'est-à-dire, c'est élevée dans les cieux. On n'y a plus du tout emprise. C'est-à-dire qu'elle ne nous intéresse plus du tout. Ce ne sont pas les sujets qui nous intéressent. Parce que elle traite, par exemple, du royaume d'Israël, de la force d'Israël, de l'influence du peuple d'Israël. Mais qui pense Birtav à ces sujets quand il y a un petit juif pekno perdu en Allemagne et piétiné par les nazis? Ou bien dans les bas-fonds de la Goulette en Tunisie, avec des babouches et en train de manger du poisson et de la damprout. Qui pense Bichlal au royaume d'Israël et de son influence universelle? Ça ne chatouille même pas la cervelle des juifs. C'est pas que ça, en grand. Voilà les grands. Mis à part les corbanotes où c'est très technique, uniquement à 100% la Torah. Non, pas seulement, mais au moins on en parle. On peut oublier cet idéal, mais on est censé encore avoir un rapport. Tu as raison. Zelorak, avalé, charbé, misé, les fachot. Alors que Torah, j'ai balpé, walou, comme on dit. On n'en parle plus. Mais non, tu as raison. Alors, Tanar, tu vas dans le fait, tu comprendras
Ça, si tu veux, tu lis Sefer Bereshit, c'est l'apparition du monde, et après l'apparition du peuple d'Israël, la vocation du peuple d'Israël, Yetziat Mitzrayim, Mamelechet Kohanim Vegoy Kadosh, etc. Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu recompile tout ce qu'on a étudié. Bah, Ikra, c'est les Korbanot, Bichlal. On est complètement à côté de nos pompes, on ne sait pas c'est quoi les Korbanot en route de l'arrêt, etc. C'est-à-dire, Midbar aussi, c'est ce qui se passait dans l'Égypte, dans le Midbar. Ça veut dire que ce sont des grandes lignes du judaïsme qui ont une influence sur l'élévation du peuple d'Israël, sa centralité et sa responsabilité envers l'humanité, en Bégadol. Avec évidemment des pratim et douyakim, erch bechaya yom yom, sans trop comprendre, parce que le tchertem lot aladecha, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Toutes les misotes, tu ne sais pas ce que ça veut dire sans Torah Shabbat. C'est-à-dire, donc ça parle des grandes lignes, et on respire une atmosphère très très large et très grande. Alors que plus on avance dans l'exil, et on s'enfonce dans la tombe de l'exil, je dirais, plus on s'occupe de petits détails qui paraissent totalement insignifiants relativement à la grandeur de cet idéal. Donc il y a un nitouk. Quand il dit que la Torah, italta l'emromim, elle est restée où elle était. Et pour nous, c'est dans les cieux, c'est-à-dire c'est une sphère qui nous est totalement inaccessible, c'est ce qu'il veut dire. Ça ne nous chatouille même pas la cervelle, on n'y pense jamais. Je ne parle pas des exceptions comme le Rambam, etc., qui est assis en plein exil et qui t'écrit déjà la constitution de l'État d'Israël. C'est Mazil Chot Melachim, Mazil Chot Milchama, etc., etc. 1 sur 100 millions de juifs, je domine. En Galout, on a eu affaire à Torah Shebalpé. Non, ce n'est pas la véritable Torah Shebalpé. C'est la miniaturisation de la Torah Shebalpé. C'est ce qu'il est en train de dire. Déconnecté de sa source. Il dit qu'on a besoin d'être en Israël avec pour qu'elle apparaisse dans toute sa grandeur. Dans toute sa grandeur. Donc en exil, elle est dans toute sa petitesse. Elle est agonisante. Elle ne s'occupe que de la survie quotidienne des individus juifs. Dans quelles conditions Torah Shebirta va apparaître ? En exil, Kimat Velo. En exil et en Israël, puisque... Et Omer, Chachaït. Non, Zepshita, Torah Shebirta. Parce qu'elle apparaît, c'est-à-dire, il va expliquer 2 secondes. Elle s'élève presque au même niveau que Torah Shebirta. En Eretz Israël. Regarde. On va reprendre dans le texte. Ce n'est qu'alors que la Torah Shebalpé peut apparaître dans toute sa splendeur. Et alors elle fleurit, etc. En exil. Donc il va expliquer l'exil pour qu'on comprenne la différence. Nifredu atéomim. Ces jumeaux-là se sont séparés. En quoi ? Nitalta Torah Shebirtav le Moromre Kocha. La Torah écrite s'est élevée aux cieux les plus saints, les plus hauts. C'est-à-dire on n'y a plus accès. On n'y voit plus aucun intérêt même. Par contre, il y a la Torah Shebalpé, Be'omek Tartit. La Torah Shebalpé a dégringolé au plus profond de l'abîme. Mais, malgré tout, dit le Rav, Mikol Makom, Imekabel et Inika Chachait, elle reçoit une alimentation secrète de la Torah Shebirtav. Dans le fait que la Torah Shebalpé continue de survivre en exil, c'est encore grâce à la Torah Shebirtav qui a une influence sur elle, mystérieuse, saudite. Mais hors Torah, chez Birtav, mais c'est Fiach et Avar, des résidus du passé. Ça veut dire, c'est Sfichim. Sfichim, c'est qu'on n'a pas cultivé le champ. Et malgré tout, il y a des petites pousses. Ce sont des résidus des graines des années précédentes. C'est-à-dire, on n'a rien fait, mais ça pousse. Donc, on a arrêté de travailler le champ de la Torah chez Birtav, mais il reste en nous des résidus qui font pousser encore en nous des toutes petites pousses, qui est la Torah chez Béalpé actuelle. Oui, il y aurait d'être le fait, on l'a dit, Rachinia. Mais si fiach haavar, amaspik l'amida bechaim etzumtzamim. Qui lui suffit à ces situations si étroites. C'est-à-dire à sa survie journalière des individus juifs, eh bien, c'est amplement suffisant, pas besoin de plus. C'est le maximum de toute façon qu'ils peuvent intégrer dans leur petite cervelle en exil. Dans leurs aspirations, dans leurs idéaux, etc. Et malheureusement, il y aurait des denophelet de cholium. Elle dégringole de jour en jour. Comme dit la Gemara elle-même, Bamarchakim Oshivani Zut Talmuda Shel Bavel. Dieu m'a fait asseoir dans les ténèbres. De quoi s'agit-il? Du Talmud de Bavel. Et ça, c'est il y a 2000 ans. C'est-à-dire, on ne venait que de sortir d'Eret Israël et le Talmud se considère déjà comme ténèbres. Que dirions-nous 2000 ans après d'exil? ויורדת ונופלת בכל יום ויום עד אשר יפוח היום
Jusqu'à quand elle va dégringoler? Jusqu'à qu'apparaîtra le grand jour, dans Shir HaShirim. Et nous souhaite cela. Et s'écarteront toutes les ondes. Veo chayim yavo meotzar geulat olamim. Alors une lumière de vie apparaîtra du trésor de la rédemption universelle qui apparaît par la renaissance d'Israël. Veisrael yasechayim. Alors le peuple d'Israël refera sa force, remettra sa force en place. Il nata al arzo sera réimplanté sur sa terre, visakseg bechol adar zdarav, et se déploiera dans toute la splendeur de ses ors, de ses formes. Astachel Torah Shebaalpe litzmoach meomek shesha. Alors la Torah Shebaalpe repoussera du plus profond de sa racine. Tarle mala mala, elle grimpera petit à petit. Ver Torah Shebichtav yazriach alea karnei ora mechadash. Et à nouveau, la Torah écrite aura une influence directe sur elle. Cette fois-ci, pas une influence mystérieuse et cachée, mais une influence directe. Hadashim la Bekarim. Vadodim itardu ben vapirim. Donc ces deux amoureux s'uniront dans leur, comment on dit, apirion en français. C'est le siège qu'on lève avec quatre porteurs, là. Vous connaissez? Ah, les amoureux. Non, c'est pas une alumka. Ah, oui, oui. Un siège royal qui est porté par quatre esclaves, là. Ouais, voilà, par exemple. Ce qu'on fait aujourd'hui pour le aîné, on met là, monsieur et madame, les amoureux ensemble. Donc, Torah Shebirtav, Torah Shebaalpe. Ça veut dire que viendra un temps où on verra le rapport entre Torah Shebaalpe et Torah Shebirtav. Pendant 2000 ans, les rabbins ont totalement oublié l'idéal grandiose de la Torah. Et ne se sont occupés que de maintenance quotidienne pour la survie du troupeau d'Israël, par amour d'Israël. Alors, ce qui fait que les Juifs, leur seul souci, c'était de vivre, de survivre. Et des fois, ils étaient dans des conditions incroyables. Et donc, ils posaient des questions qui avaient attrait à leur suivi quotidien. Évidemment. C'est Torah Shebaalpe miniaturisée à leur situation catastrophique. Dans les rabbins, ils reçoivent 10, 20, 100, 1000, 50 000 questions de ce genre, finalement, leur cervelle se retrécit à la dimension du peuple. Ils n'ont plus le temps et la pniout, comment dire, la capacité mentale de penser à d'autres thèmes que les thèmes les plus pressants quotidiens. Et donc, ils oublient les idéaux. Encore une fois, mis à part les géants. Pas la quasi-totalité des rabbins. Et donc, finalement, ils s'amusent avec ces petits sujets. Et ils pensent que c'est la Torah. Alors on va dire un vort, et encore un pasouk, et encore un racheté vote, encore une gamatria. Et on s'éclate autour d'une boucha et d'un damchout. Et on dit quelques psukim. Et voilà, on a dit divrei Torah. On te rencontre dans l'autobus. Dernièrement, ça m'arrivait. Attends, on sait chidouche. Si t'as envie, vas-y, fais-le ton chidouche. Bereshit, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Il faut dire la bracha vote. Oh, la briout, c'est content. Il est tout content. Il a fait son vote par Torah. Il croit qu'avec ça, il y a tsaïd et chova. C'est des amuse-gueules. C'est même pas un niveau d'apéritif avec de la bourra, c'est des amuse-gueules, pour ne pas être plus grossier. C'est bisionnage et Torah, d'abord. Ces questions-là, elles ne seraient pas venues si on était en Israël. Hein? Parce qu'on a des questions pratiques qui sont venues. Parce qu'on a des sujets. On ne parle pas qu'on est en Eretz Israël. Regarde, il ne suffit pas seulement d'être en Eretz Israël. On marque Kolas Darim, Kuna, Malchut, Nevoa, Vedroulé. C'est-à-dire que le peuple d'Israël reprend sa véritable dimension de gérance de l'humanité entière. Et donc la Torah reprend sa véritable. Ici également, on aurait eu ces questions pratiques de savoir si une cuillère qui est tombée dans du lait, qu'est-ce que je dois faire avec gamme, gamme, donc, gamme, mais c'est une question de, c'est une question de proportion. Attends, Mévin, c'est une question de proportion. Question de proportion. Est-ce que c'est 5%, 95% ou le contraire? Dès qu'on a une yonne. Et je suis sympa quand je dis 5%. Est-ce que c'est 1%, 99% ou le contraire? C'est-à-dire, de quoi doit être plein la tête des rabbins de notre génération à 99% de la dimension nationale et universelle de la Torah. Et de s'occuper, entre autres aussi, de la maintenance quotidienne des problèmes des Juifs. Ça répond pas à vous.
Atamivin? problématique, vous dites qu'ils n'ont pas eu le temps justement de s'occuper des idéaux en France parce qu'ils se sont retrouvés dans un engrenage où ils traitaient ça à 99% du temps. Donc, alors, soit on a deux types de rabbinim complètement différents. Toi, tu vas t'occuper des questions pour les cuillères qui tombent dans l'étau. Non, Koulam, Koulam Bakol. Parce qu'en Eretz Israël, les rabbinim, ils auraient été confrontés au même problème et ils auraient dû s'adonner. Non, mais regarde, à ta sœur Lavine, quand est-ce que tu t'occupes des détails insignifiants dans la vie quand tu n'as pas de sens à ta vie? Je te donne un exemple très simple. Il y a des gens aujourd'hui, voilà, comme toi, comme moi, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, je mets de la pommade ici, de la pommade dans les oreilles tous les jours. Tu vas en Miloïm, il y a la guerre qui éclate. Pendant 50 jours, tu cours comme un lion, tu as oublié tous tes petits bobos. C'est-à-dire, quand tu t'occupes de quelque chose de grandiose, les choses idiotes et banales, tu n'as même pas le temps d'y penser. Mais quand il n'y a rien à faire dans ta vie, ce qui arrive très souvent aux gens qui sont pépins, c'est qu'on appelle. En retraite, alors ils commencent à s'occuper de leur bobo, ils passent toute la journée avec un copatrolier, mais d'un docteur et un autre. Mais avant, ils n'avaient rien. Mais parce qu'ils n'ont rien à faire, il faut bien légitimiser leur existence. Donc ils s'occupent de la capite qui est tombée dans le mazleg. Tant pis, jette-la cette capite, je m'en fous de ce mazleg. En cours, on a des choses plus importantes à faire. C'est-à-dire, tu es pris par des détails insignifiants quand tu n'as pas de sens à ta vie. Quand le peuple d'Israël a les poumons emplis et gonflés d'idéal, dans l'intention de rapprocher l'humanité entière à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le temps de s'occuper d'idioties pareilles. T'as vu? Mais quand il n'y a que ça dans ta vie, alors c'est ça tout le Shabbat. Est-ce que je peux faire monter avec Lishlishi ou Glisheni? Adinot Sachetel, Babel Tamar, je dirais Adinot Itachashuvim. Adinot Chazas Fekot, elle ou? Si on me demande, je vais chercher les trucs, je vais me prendre 3 secondes pour savoir si je peux prendre ce thé ou pas. Mais quand il y a d'autres intérêts dans ta vie, les intérêts idiots et banals, tu ne les prends même pas en ligne de compte. Mais c'est pratique, c'est la halakha. C'est chashuv. C'est chashuv et chadachuz. Combien de fois par jour tu mets ta tête en dessous du mirsemanoa? Le capot de ta voiture pour voir s'il y a assez de grise, assez d'huile, assez d'eau. Une fois par mois, une fois par an. Mais tout le temps, tu es au volant. Ce qui t'intéresse, c'est l'objectif. Mais évidemment, si ton moteur il explose, tu n'arriveras jamais à ton objectif. Tous les problèmes ilchatiques, les plus grandioses et tout ce que tu as envie, c'est à grise de ton ramanoa. Enfin, les formanig. Les formayad. Je n'en sais rien, pas de yad. La Torah, c'est des boulons. C'est les boulons du moteur. Alors, il faut bien les asticoter pour qu'ils tournent bien, qu'il n'y ait pas de rouille, etc. Mais pourquoi toute cette manœuvre, toute cette machine, à quoi elle sert? Moi, j'en sais rien. C'est ça, toute la Torah. Ve chadi bidivre Torah, mishtarche bidivre Torah. Je vous ai raconté une fois, dans le Baïgrod de Katouf, il y a quelqu'un qui dit au Rav Kook, il faut faire une asefa sur le Rabbanim. C'est insupportable ce qui se passe, la crise de Kfira, etc. Il faut faire une très grande ACFA, une grande réunion, de réunir tous les rabbins d'Israël pour qu'on arrive à une solution, comment traverser cette crise et ramener le peuple d'Israël à la Emouna. Il dit le Rav Kook, c'est la perte de temps. Sans aucun doute, dans cette ACFA, chacun va faire son douche, chacun va étaler sa confiture, et va faire un super douche, rapporter des mécorotes, etc., etc. Mais de cela ne sortira rien du tout. Machal et Madavardome, il dit. Une usine énorme, avec énormément de machines très sophistiquées qui sont toutes en or. Et quel est le produit? Une aiguille en fer. On peut traiter pendant des millions d'heures pour savoir si le sachet de thé doit être en clirichou ou en clichéni. Alors la bayotte et les cariotes, alors là, Michel Aynoshout, on ne commence même pas à les traiter. Et c'est ce qui va se faire. J'ai l'habitude, il dit. Azlo asefot rabbanim. Safrut anutzrichim. Le temps est arrivé de mettre sur pied une littérature profonde qui donnera réponse au véritable problème de l'humanité entière. Car la solution du monde ne sortira pas de Trump. Elle a mis Knesset Israël. Mais pour que de Knesset Israël puisse sortir une parole intelligente et pas idiote comme ça se fait aujourd'hui, il faut qu'il y ait dans le background des Talmidei Chachamim Anakim qui donnent le ton au nationalisme israélien et sa vocation véritable. Et d'où vont le prendre cela? De la Torah. Atzad Ayuni Sheba Torah, qui a été totalement délaissé pendant des millénaires. Zetora Teret Israël. Zetora Sheba Alpe Arip Nimit. Il est vrai qu'on a besoin aussi de maintenance quotidienne pour les problèmes. Mais ça doit prendre 1% de notre énergie mentale.
Et il se peut qu'on ait besoin d'experts, ça et là, qui se donnent à cela toute la journée. Pour qu'on ait des gros problèmes trop aigus, on va leur poser la question. Il se peut. Quoique l'idéal eût été que ce soit les mêmes. C'est-à-dire les très grands hommes de pensée soient aussi des très grands poskim. Aujourd'hui, malheureusement, dans tous les domaines, on devient des spécialistes. Donc c'est presque inexistant. Ça existe encore ça et là, mais c'est presque inexistant. Comme dans le monde de la médecine, tu ne trouveras pas, je sais pas, un super cardiologue, un super aussi opticaï. Des spécialités différentes. L'idéal, c'est comme à l'époque, comme le Rambam, etc., qui était un géant de la pensée, un géant de l'halakha. Comme le Rav Kook lui-même. T'as vu, Ville ? Aujourd'hui, on va aller chercher à la loupe. Une vingtaine de livres. Il dit lui-même. Lo salalti derech miuchedet balakha. Je n'ai pas fait un nouveau chemin. Je ne suis pas sorti trop naze. Aussi, t'es un géant de l'alakha. Il a presque jamais enchaîné. Chasse Poskim, selon de sa jeunesse. Alors, d'où on sait que c'est un géant? De temps en temps, on lui disait, tu sais, ce grand rabbin où on attend ça, ah, ben, mais mes courants, la makom. La chloque al machomer, hop, ça garde nous d'assoubir. Mais raïnou, parce qu'il s'est mis pendant 10 ans d'abord à éditer les écrits de son père Ilkhatim, pour que les gens sachent qu'on a affaire d'abord à un géant de la psycha, sans quoi ils vont croire que c'est un philosophe. Donc il s'est mis au travail, et on voit les chidushim du Rav Tzvouda sur la psycha de son père, on voit qu'il baigne, il nage de manière extraordinaire dans tout l'océan de la Gemara des Chasse Poskim. Mais, malgré tout, il s'est adonné à 99% de son temps à enseigner la Emouna. Lama, il explique. Zevar Shaneshama Tluya Bo. La catastrophe de notre génération, c'est l'abandon de la Emouna. Donc il faut renforcer la Emouna. Quand arrive quelqu'un de gravement blessé, d'abord avant tout on vérifie le cœur. Après on voit les petites blessures et la cosmétique. Et le cœur est en danger dans notre génération. Donc il faut enseigner essentiellement la Emouna. Donc lui aussi c'était un géant de la halakha. Aujourd'hui, même parmi ses élèves, il n'y en a pas beaucoup, pour ne pas dire énormément. Il y a quelques-uns, comme le Rav Miner, par exemple. Mais la plupart, ce n'est pas comme ça aussi. Ils sont ou géants dans ce domaine, ou géants dans ce domaine. Ce n'est pas l'idéal. Mais on fait ce qu'on peut, comme on dit. D'accord ? Top, continuons. Donc, Astachel Torah Shebaalpe, Litzmoach Mermak Shorcha. En revenant en Eritzel et retrouvant notre véritable stature en Eritzel, alors la Torah Shebaalpe, qui est l'expression de l'âme d'Israël, et voilà qu'en Eritzel, l'âme d'Israël réapparaît dans toute sa vigueur, parce que lorsqu'on est en exil, l'âme d'Israël est remontée au ciel, donc on est un corps vidé d'âme. Donc tout ce qu'on dit n'est que l'expression des résidus d'âme qui est en nous. Donc la Torah est si petite. On revient en Eritzel, Mekabes, Yitram, Israël, Marzir, Shrinato, Letzion. On est à nouveau rempli de l'âme d'Israël, et voilà qu'elle commence à parler. Et donc tout d'un coup, elle parle de sujets bien plus grandioses et plus universels. T'allais mal à mal, veor Torah shebirta, viazria chala karne ora mechadash. Alors il y aurait une influence directe et une corrélation très très étroite entre la Torah shebirta et Torah shebalpe. Elles traiteront des mêmes sujets. Chadashim levekarim. Vadodi mitardu ben verpurinam. Et à nouveau, ces amoureux s'uniront dans leur siège d'amoureux. Veor nishma tel chay olamim. Et la lumière de l'âme divine apparaîtra Betriat Israël dans la renaissance d'Israël ou Berum Korno et dans l'élévation de son image de marque. Yair Beor Shivat Ayamim, Shalor Achama, Beor Alvana Gam Yachad. Donc tout ça, c'est des Meshalim qui ont été donnés par les Psukim. Parce qu'au début, le soleil et la lune avaient la même grandeur et la lune a commencé à râler et dit c'est pas possible qu'il y ait deux rois. Alors Dieu lui a dit tu as raison. Alors si c'est comme ça, va te rapetisser. Quand on disait Machal, c'est Torah Shebirtav, Torah Shebaalpe, Shenafla, l'atid lavo, Torah Shebaalpe, ta'ale les madrigas de Torah Shebirtav. Ça veut dire que les Chachamim de cette génération commenceront à penser aux idéaux nationaux et universels. La quasi-totalité de leur temps. Et traiteront de sujets qu'on retrouve dans Torah Shebirtav, desquels on n'avait pas traité pendant 2 millénaires. D'accord.
âgé, qui a fait 90% de sa vie. Aucune chance, tu as raison. Il mourra dans sa manière de penser. Aucune chance. À moins qu'il soit très très arnav. Ou qu'il fasse delete de sa personnalité, il est prêt à tout recommencer à zéro. Non seulement il n'a pas la capacité, il luttera même contre. Parce que c'est sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle, de manière comme un dictateur, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, lorsqu'il a reçu la gérance de l'Eshiva dans ses mains, après son père, c'était pas tout de suite, c'est passé 10 ans d'abord par le Rav Harlap. À l'époque du Rav Cook, qu'on appelle à croire, la Eshiva de Merkez Arab, c'était des vieillards qui parlaient en yiddish et qui comprenaient rien à la Torah du Rav Cook. C'est-à-dire, c'est ce que vous connaissez des Haredim standardim. Ils comprenaient rien du tout. Ils prêchaient devant le désert, le Rav Cook. Personne ne comprenait. Il faut vivre avec une telle sensation de détenir une vérité extraordinaire que personne ne comprend dans ta génération, à part ton fils. Il faut le faire. Et ne pas exploser, péter tous les plombs. Top. Lorsque le Rav Suda a pris la yeshiva dans ses mains, il a essayé à plusieurs tentatives, aucune chance. Ils sont bouchés, ils ne comprennent rien. Et voilà qu'arrive la première promotion d'élèves qui était passée par la main du Rav Neria. C'est-à-dire des élèves qui ont grandi en Eretz Israël, qui ont passé dans la yeshiva tichonite du Rav Neria, Zecher Tzadik Levracha, tout un processus de Torah selon le Rav Neria qui était le Rav Cook, qui ont eu leur bac, et ils débarquent à Merkez Arav. Il les a vus arriver, une joie intense. On a de la matière humaine avec laquelle on peut commencer à travailler. Oui, mais je vais les mettre avec les autres, ils vont les esquinter. On attend de Kouda, Assur le Daber, Elou, Imenu. Interdiction de parler, de peur qu'ils les esquintent. Et si ça ne suffisait pas, paraît-il, qu'il a même construit un mur de séparation entre les deux. Ceux-là, ils sont très gentils, Malé, Rachamain, Tzadikim, Balemidot, etc. Mais ils ont leur conception ancienne qui font qu'ils ont une obstruction, une incapacité de comprendre ce qui est dit, et ils risquent de contaminer les jeunes. Ce n'est qu'alors qu'a commencé la yeshiva du Rav Cook à apparaître dans ce monde, à l'époque du Rav Tzvi Yehuda. Je ne sais pas, aux années, ça devait être aux années 1940, un truc comme ça. 45. Non, le Rav Cook est mort en 37, donc l'autre 47, 1950. C'est ici, le Rav Cook. Et même ça, il n'est pas tellement, il a commencé à parler, les gens ne comprenaient rien, et donc il sortait du Bet Midrash, parce qu'il se démontait la mâchoire tellement il ne comprenait rien. Donc si c'est comme ça, moi j'aurais dansé. Alors il y avait 3 ou 4 fanatiques du Rav Soudan, non, bah, le Rav Soudan, bah, ils comprennent, ouais, je ne vais pas leur forcer la main, j'arrête d'enseigner. Il y avait 3 ou 4 fanatiques qui disaient non, il n'y a pas question qu'eux ils sortent du Bet Midrash et du continu. Mais non, on ne va pas faire Bukfia, j'arrête. Donc il est rentré chez lui. Ils l'ont supplié, ils disent si vous voulez, on va donner des cours à la maison. Donc il a enseigné la Torah du Rav Cook à la maison. Et sa yeshiva, c'est une yeshiva haredit standardite. Il faut vivre une telle situation. Et il parlait, après, il y avait 3 élèves autour de la table, il parlait à yeshiva merkazit olamit, la yeshiva centrale mondiale. Il y a 3 tronçons un peu, les mecs, ils se regardaient, mais de quoi il parle ce vieillard là? Il y en a, chez Wishanet Advarim. Il y a des milliers, des dizaines de milliers qui comprennent plus ou moins ce que disait le Rav Cook. À l'époque, il ne comprenait rien. Pour revenir, il dit il a rencontré un Tamid Racham, Zaken Meot, Shot Zachal Imoter Rav Souda. Il vient, il lui glisse dans l'oreille. Il dit franchement, tu as pigé quelque chose que je crois raconter là, parce que nous, on n'a rien pigé. Carrément, non. À ce moment-là, c'est l'obligation de faire Rachamim. Car Rayon, il t'achète. Le royaume Pachède, il a été ensemencé dans les consciences. Et donc, on a une aptitude plus adéquate à comprendre ce qui est dit aujourd'hui. Vous voyez bien, on comprend quelque chose. On n'est pas en train de rêver. On parle de quelque chose accessible, compréhensible. Et même les conceptions universelles ont une influence sur notre manière de penser, qui font qu'on a la capacité de comprendre. Non. Et que peu importe le texte, même s'il y a marqué la raconte dessus, s'ils le lisent, ils vont être très vite succulés sur chaque mot. C'est étonnant de voir qu'ils n'ont pas été, entre guillemets, convaincus directement par le message du rab.
זה רעיונות חדשים בסגנון חדש. אבל זה ישן חדש. זה חדש ישן, זה העניין. זה פעד נמרסון דרב קוק. רסטורסון זה לתורה כבית אוליה. שכחה ביסדון. זה התורה שהייתה לפני החורבן, שהוא מחדש. Et vu qu'on n'a pas pensé comme ça pendant 2000 ans, c'est dur. Donc ça prend du temps. Et tu as raison que l'influence de civilisation environnante aussi, la technologie qui performe, la globalisation, la pensée progressive, tout ça fait qu'on a plus d'aptitude à comprendre. Comme d'abord, Razet Torah Chayvim Lofia. Afin qu'il puisse apparaître, Dieu change toute la constellation universelle. Du point de vue des conceptions, de la civilisation, des révolutions qui mènent l'humanité à penser d'une certaine manière qui lui permet à capter ce razetor. D'ailleurs, d'acheter, mon poète. Par exemple, les Français ont plus de ça m'a mis du temps à le comprendre. Ça m'a mis au moins 20 ans à le comprendre. Je te donne les cas. J'allais dire arrête, je voulais me déconnecter totalement du monde francophone. Mamache. Pendant 18 ans, je n'ai pas dit un mot en français. Il y avait des pathos qui parlaient avec moi, je répondais en les voix. Canaille, fanatique, l'orotiti bichlal. Et celui qui m'a sorti de ça, c'est le Rav Elisha Wyszynski, Zechet Sadek Libracha. En fait, j'organisais des cours avec lui au Machon Lev. Les gens, ils ne venaient pas tellement, etc. Ça m'énervait. Il m'a dit une phrase qui m'a changé ma façon de voir des choses. Moli Yosef, à ta recherche chez Goulan Sorfatim, chez Yodrim, chez Tsarich Lachshov. Ça veut dire que je me suis dit que je me suis dit que ils savent que le monde est basé sur la pensée. C'est de là que sont sortis les plus grands philosophes, c'est pas par hasard. Donc il y a déjà une prédisposition à la pensée profonde. Ce qui n'est pas le cas dans la société israélienne, qui est très pragmatique, au bas des pâquerettes. Slash américaine. Et ça m'a mis du temps. Même quand j'étudiais à Merkaz Arab, je voyais très bien. J'étudiais avec des Hebroutot israéliennes, et puis j'ai que dalle. Et tu as raison. Il y a une prédisposition à comprendre. C'est la question que j'allais te poser, parce que vous avez parlé des conceptions, et que c'était beaucoup plus facile de comprendre le message avec les conceptions. Et pourtant, le Rav Aviner, il a une vingtaine d'années de France, et il débarque. Il comprend tout. Il comprend tout. C'est ce que je dis. Il comprend tout plus que tout le monde. Je pensais que c'était basé sur les conceptions. Non, non. Il y a une prédisposition. Il a grandi en France. Non, c'est une prédisposition à la profondeur de la pensée. C'est pas seulement qu'il comprend tout. C'est qu'il saisit, il saisit le moment que ce qui est en train de se dire dans cette chambre a une envergure historique. Il est interdit que ceci disparaisse. Il commence à enregistrer. Il a tout enregistré. Il a tout retranscrit. Alors que les autres écoutaient, ben c'est sympa. Hein. Sans le Rav Aviner, toute la Torah du Rav Tzvi Dvor aurait disparu. Parce que ça serait passé de bouche en oreille. Chacun aurait rajouté son grain de poivre et de camoun, etc. Et ça aurait été totalement falsifié. À l'époque, je ne sais pas, il y a 50 ans de ça, c'était pas tellement facile d'enregistrer. Il n'y avait pas des... C'est ça, comment il enregistre ? Ça devait être des magnétophones à bande. Je ne sais pas comment il a fait ça à l'époque. Il a tout enregistré. Il a tout retranscrit. Et il a montré son Rav Tzvi Dvor. Il y a d'autres qui ont essayé de faire des sikoumim. Rav Tzvi Dvor, vous voyez. Des très grands rabbins. Qui sont plus mefosamim que le Rav Aviner. Il les a basés. Quand le Rav Aviner a apporté ça, il a éclaté de joie. Il s'est baladé dans tout le Beth Midrash. Il montrait à tous les élèves. C'est à clou. Dommage. On attend le shiurim, rakar shiurim be sanzura. Il dit, lama marta edze, ki rav amar, vechi kol ma sheomrim kodvim. Top, j'ai compris. Mais lama lo marta ze veze veze, ki rav lo amar. Azma. Pam acheret amarti. Tashlim. Asur sheyetze davar lo mushlam, lo muvan, ambivalenti, barur vechad. Attends, il se peut que dans les sikhot de Rav Tzvi Yehuda. C'est un livre aujourd'hui entier. Chez Zelav Dafka, Neymar Boto Shio, Neymar Baretsef. C'est Neymar, Mila Bemila, Rav Tzvi Yehuda. Mais Bishuro, après, c'est Shani Macharka. Vous, Irgi, c'est pour Chasser, Machouch, Amour, les Parèches, Metsro, après, ou Ichnis. C'est Torah Tarikha, c'est Machou Madim.
De Torah, Richa, de Machu, Madim, d'ordre. D'après le Rav Tzioudaï, il n'a pas eu d'a priori de voir devant lui un élève qui arrive de France comme ça. Non. Il n'a pas eu d'a priori sur ça. Non, ça ne parle, il n'a pas eu d'a priori, je t'avise. Le Rav Wiener, c'était un super savant. Quand il est parti de France, il s'est fait engueuler par son prof parce qu'il pensait que ce soit Einstein de la génération à venir. Ton prof de physique. Il a fait les grandes écoles de Supélec, etc. Il a fait l'armée, etc. Mais qui sort, il arrive ici, à Mossad. Yada Alav Miyad. Yada Alif Neshoala. Un petit dague. Vous y mène, il raconte. J'arrive dans une grande salle. Énorme, il y a deux personnes sur une table. Bon, il a, il faut avancer. Donc, ils savent tout sur toute sa vie, le mec. Et on a décidé que tu sois un espion dans les mondes, dans les pays arabes. Tu vas te faire passer comme un savant qui vient de France. Bon, roulez, roulez. Ouais, mais on dit idéaliste. Donc, il livre auto. Et ce jour-là, donc, comme il avait ce rendez-vous, il arrivait 5 minutes en retard au cours du Rav Tzioudaï. Et le Rav Tzioudaï, il a reliflé l'histoire tout de suite parce qu'il arrivait toujours à l'heure. Et Foyita. Il lui raconte. Il lui fait. Rabbi Yehuda, Shani Madan, Mtsechim, Galant Aouma, Nosim Bitronim, Rigishim. Il est allé chercher une Gemara, le Rav Tzioudaï. On parle à Tati et Madan Bézé, Bifkouda. Il a tout laissé tomber, la Matora. Il arrive à Merkaz Arav. Il demande au mec, Malom Dim Kan. Il lui dit, bon, Talmud. Après un an, Varshav Malomdim. Les gens, ils racontent. Ils venaient à, je sais pas, à 4 heures du mat, ils se levaient. Ils restaient dans les midrash jusqu'à minuit sans bouger. Ils se préparaient des sandwichs, ils ne bougeaient pas. Kacholamad. Donc là, bah, midrash, quoi la zone. Adayom, j'ai remarqué, il me s'aperce à Adayom. Machalim s'aperce à Adayom. Kacholamad, Raouviner. Il étudie même pas 3 heures. Tiens, qu'à voir, leur avenir, si 2 secondes, il n'a pas une activité, il s'effondre. Il s'effondre, maman, Chounofel, il était au lycée Benarib, sa tête, elle tombe dans la salahat, mais on va y foot. Quand je regarde de temps en temps des courses, il est toujours crevé. Quelqu'un est toujours. Il est habitué à voir ce qu'il fait. Il écrit en même temps, il cherche dans des sacs, il range des livres, il écrit des papiers, il range dans sa. Tu vois un truc très drôle, regarde, t'as un bon lapsique pour qu'il ait. Il sort un classeur.